garçon et qui l'attacha, le privant de sa liberté. Oh, mes bien-aimés. Alors que ce cowboy était attaché pour sa survie, il attendait que cet homme méchant lui apporte sa nourriture. Alors que Dieu le cria, un oiseau libre qui devait voler dans le ciel de Dieu, le ciel de la parole. Mais il était réduit à cet état, oh mes bien-aimés.
homme, mais sans lui donner. Oh, le prophète dit, je n'ai jamais vu un pays catholique qui soit autosuffisant. Le prophète dit, je n'ai jamais vu un pays catholique qui soit autosuffisant, qui vit par lui-même, qui vit par lui-même, qui est un Elohim, qui vit par lui-même. Alors que nous sommes censés vivre par nous-mêmes, alors que nous sommes censés vivre par nous-mêmes, l'Église refuse. Dépendant de cette divinité que le Seigneur a placée dans nos cœurs, dépendant de cette divinité que le Seigneur a placée dans nos cœurs, comme Jésus-Christ, comme Jésus-Christ. Le premier-né de la création de Dieu, le premier-né de la création de Dieu, le premier-né parmi tous les frères, il était dépendant de lui-même, de cette divinité suprême. Plaça dans son cœur, mais quelle histoire, ah, ah, ah. Mais quelle histoire, ah, ah, ah. L'Église refuse, les nations catholiques refusent, ils veulent dépendre d'un Dieu, le Père, qui vit là-bas dans le ciel, qui vit là-bas dans le ciel, un Dieu imaginaire, un Dieu imaginaire. Soyons pas comme ce bobo, mais plutôt comme cet aiglon qui écouta la voix de la mère aigle, la voix de la mère aigle, Jésus qui notre Père. Comme ce corbeau, mais voulons comme cet aiglon dans le grand ciel de notre Dieu, ce ciel qui consiste en la parole, prenant tout ce que la parole nous donne, faisant comme